Et bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie et aujourd'hui nous nous retrouvons donc, je vais peut-être baisser un petit peu le son, sur Watch Dog, et oui Watch Dog. Donc on va parler un petit peu avant de lancer audio et langage. Langage français, comment on fait ça? Français, on est d'accord. Sous-titres, on va mettre les sous-titres. Volume de la musique. À mettre à 20, volume des morceaux. En fait 0 parce que j'ai pas envie de me faire flaguer. Volume des effets, on va les mettre à 20. Et volume des voix, on va les mettre à 30. Ok, on va mettre un poil de musique quand même. Augmenter un petit peu le son pour moi. Ouais, c'est convenable. Bon, et ben sur ce, oui, donc nous nous retrouvons. Je ne me suis absolument pas spoilé le jeu. Je ne sais absolument pas à quoi m'attendre. Alors, c'est un jeu de la licence Ubisoft. Vous savez que je suis un grand fan de la licence Ubisoft, que ce soit Rayman, Assassin's Creed. J'avais fait un let's play notamment sur Beyond the Golden Evil. D'ailleurs le 2 a été annoncé et je vous jure que quand il sortira je ferai Beyond the Golden Evil 2. C'est annoncé. Mais voilà. Donc je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui se lancent dans ce jeu. Moi on me l'a conseillé, on m'a même dit de faire des vidéos dessus. Pourquoi? Parce que ça va parler de piratage. Il y aura beaucoup de trucs de piratage. Et on m'a dit ouais, toi qui es développeur, toi qui es un grand malade au niveau informatique, parce que si vous le savez pas, je suis développeur web et je suis un gros passionné d'informatique. Je passe mes journées sur ordinateur, non pas à jouer mais à comprendre comment fonctionnent les ordinateurs. Je passe mon temps à taper des lignes de code. Donc je suis un gros passionné de tout ça. Et donc ils m'ont dit ça serait marrant parce que toi tu serais capable de dire ouais mais ça c'est des conneries parce que c'est trop sécurisé, c'est pas possible. Donc dès qu'il y aura des trucs qui sont un peu gros, ça me permettra de vous le dire, de vous expliquer éventuellement 2-3 choses en informatique peut-être. Alors si c'est crédible, si ce jeu est crédible vis-à-vis de... Bah oui, vis-à-vis simplement de tout ça. Enfin bref, quoi qu'il en soit, on se lance. Juste regarder les qualités graphiques. Tout est en élevé, c'est nickel. Qualité générale. Ah, je peux mettre en ultra. Je sais que j'ai une très bonne carte graphique. Pour ceux qui se posent la question, j'ai une GeForce GTX 780M. Donc voilà, donc j'ai donc Nvidia, j'aime bien les cartes Nvidia, beaucoup plus qu'ATI. On va laisser comme ça. Bon allez, on va se lancer. Retour. Ici. Parce qu'on a bien blablaté. Alors pour ceux qui ne me connaîtraient pas, parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont arriver suite à cette série, je tiens un serveur Minecraft. J'auto-héberge un serveur Minecraft. Si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez. Le site pour s'inscrire sera dans la description de cette vidéo. Si vous désirez me rejoindre, parce que vous me découvrez à l'instant avec cette série. C'est fort possible. Et je fais cette série également pour réattirer un petit peu de monde sur ma chaîne. Car il faut l'avouer, les vues ne pleuvent pas énormément sur ma chaîne ces derniers temps. Et je rappelle que je ne suis pas rémunéré pour mon activité sur YouTube. Je fais ça vraiment pour le plaisir. Donc voilà.
Aiden, c'est parti. Je lance le piratage. Regarde ça. Une mine de secrets et mensonges dans un mal de données. J'ai qu'à tendre le bras. Et tout ça, c'est à moi, à nous. Reste concentré. Leur système de sécurité est au strict. Ça fait combien, là? 100 000 dollars en 30 secondes. J'adore les gens blindés de pognon. On est des magiciens du futur. On vide les comptes en banque et sans toucher à rien. Non mais tu t'entends. L'aventure, mon garçon. Fais confiance à ton mentor. Quelqu'un a déclenché cette alarme. Je veux marquer. Mais merde. C'est le système. J'y suis presque. Terminé, je coupe tout maintenant. Non, surtout tu touches à rien. Maurice. Ouais. À toi de jouer. L'un de nos contacts a eu le nom des hackers du Merlot. On les tient. On t'a refilé Aiden Pierce. Tu t'en occupes. Sa famille aussi, s'il le faut. Ça lui apprendra à fouiner là où il faut pas. Sa famille aussi. Ça pose un problème? Non, je leur fous de la trouille. Vous entendrez plus jamais parler d'eux. Bon, jusqu'à présent, ça m'avait l'air crédible. Les lignes de code saisies, il y avait du trace route, des trucs comme ça. On a pu voir quelques adresses MAC. Donc, disons que dans l'ambiance du truc, ça peut être crédible. Pour le moment. Après, c'est très typé Matrix, ça. J'en sais rien, je t'ai dit. T'en sais rien. Sa famille aussi, ça pose un problème? Non. Je leur fous de la trouille. Vous entendrez plus jamais parler d'eux. À ton avis, Maurice, tu m'as foutu la trouille? C'était juste un boulot, mais je savais pas. Qui c'était au téléphone? Donne-moi son nom. Il me l'a jamais dit, son nom. Je vais te donner un nom, moi. Léna. Léna Pierce. Je savais pas qu'il y aurait des gosses, ok? C'était pas prévu, ça. Alors maintenant, je veux que tu réfléchisses attentivement. Réfléchis. Écoute, mec. Même si j'avais un nom, tu pourrais pas me faire parler. Ces types... On raconte des trucs sur eux, t'imagines même pas. Tu vas oublier tout ça, mec. Il y a des choses qu'on peut pas... Arrête! Arrête! Qui a donné l'ordre? On a parlé au téléphone, d'accord? Il m'a dit où je pouvais te trouver. C'est tout ce que je sais. Son nom? Je sais pas! Son nom? Écoute-moi, merde, vas-y, écoute-moi. Donc petit tutoriel pour viser, ok. Ouais. Ok, alors par contre ma sensibilité de souris, oui parce que je rappelle que je joue toujours au tactile.
On va d'abord retirer dans le pied pour essayer de le faire parler. Tirer sur Maurice. Bah ouais, bah vas-y, tire. Et appuyer sur... Bah je suis en train de cliquer là. Et ta mémoire maintenant. Ah d'accord, ok. F. D'accord, F pour esquiver. Ok. Bon, je vous rappelle que je joue au tac... Oups. Ok, d'accord. Ouais. C'est le prix de Windows. Juste... dans les options... au niveau du gameplay... la sensibilité de souris. Est-ce que je peux la changer? Commande. Clavier souris. Sensibilité de souris en X. À 75 c'est possible. Bon, attendez. Hop. D'accord, ok. On va mettre à 80% les deux. Applique, retour, 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 reprendre. Oui, t'as parlé. Ouais, c'est un peu plus potable. Maintenez A pour pirater, ok. Je vais juste encore augmenter. Parce que la sensibilité de la souris me plaît absolument pas. Avec le tactile, c'est pas possible. J'ai une souris qui a été fournie avec mon nouveau PC, hein, mais... Mais je me fais cette spécialité là de jouer tout au tactile, donc je vais garder ça quand même. Ah ouais, là c'est carrément plus jouable, à 100% c'est carrément plus jouable. Allez. Oh. Ok, pour courir majuscule je suppose, comme dans Assassin's Creed. C'est bien, élément chimique. D'accord, ok. Quel système. Ok. Ok. Donc ouais, donc on retrouve bien la patte un petit peu d'Assassin's Creed. Est-ce que je peux juste éloigner la caméra? La molette de souris? Non. Enfin la molette. Contrôle et sonnement. Le moins non. Excusez-moi, hein, je fais les réglages en même temps que vous, mais je tiens absolument à voir tout le. Est-ce que vous ayez absolument toute la. Ah, on peut augmenter la. On peut augmenter la luminosité. Je pense que sur YouTube, ce serait peut-être mieux de le mettre à 60. Ce sera mieux, ce sera bien 60. Allez. Ce que je voulais c'était visa système niveau du bon, niveau difficulté on va rester en normal. Ok, ce que je veux c'est les shaders, ok. Non, d'accord, je peux pas. Ah si, solution, on est d'accord. Mode d'affichage. Ah oui, d'accord, ok. C'est pour ça que je suis en mode fenestré, parce que je savais pas pourquoi j'étais en... ouais, je peux monter ça si je veux, mais bon, écran large. Ma résolution, ça changerait peut-être, histoire que ça s'adapte plus à mon écran.
Mais pour le moment, ça me convient. Bon, allez, on va continuer. Tant pis, je verrai bien hors caméra. Donc voilà. Donc eh ben on est reparti. Non. Ouais. C'est quoi ça? Ok. D'accord, on pousse ça un petit peu à la GTA. Yo Maurice, qu'est-ce que tu fous, petit bâtard? Oh merde! Je peux savoir ce que t'as foutu? Quoi? C'est à moi qui parle. Je te laisse seul 2 minutes et voilà. Rends-moi les balles. Je les ai jetées. Bah quoi? Tu m'as dit que tu l'aurais tué sinon? Je t'ai juste demandé de les garder. T'étais où d'ailleurs? Urgent. Alors, Maurice a craché le morceau? Oh, sans déconner. Allez, on nettoie ce bordel. Et arrête d'admirer ton travail. Bon, c'est sympa tout ça, mais tu me déçois, Pierce. C'est vrai, quoi? T'as même pas remarqué mon petit coup de fils dans la guerre des gangs? J'aime pas laisser les choses en plan. Aide-moi à le sortir de là. Non, trop tard. C'est la fin de la 8e manche, Chicago mène, et le match est presque fini. On n'a plus le temps. Joli coup. Sinon, t'es sûr que t'es pas un petit peu curieux pour mon coup de fil? D'accord, vas-y, parle-moi de ton coup de fil. Ah, ça fait plaisir. Bon, alors on a un tas de cadavres, pas vrai? Et on a 40 000 personnes juste au-dessus de nous. Il nous fallait une diversion. Donc, j'ai appelé les flics. Mais non. Si, je te jure. Quand les flics arriveront et que les potes de Maurice débarqueront, ça va faire pam 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 pam. Jordi, dis-moi que tu déconnes. Non, je les ai appelés eux aussi. Il va y avoir une belle baston à la fin du match. Et toi et moi, on dégage discrètement. Demain, tu me remercieras. Mon avis doit être trop con, lui. Super, des flics à l'heure. Je m'occupe de ces types. Toi, t'attrapes Maurice et tu le sors de là. Maurice? Je ressemble à quoi, moi, un taxi? C'est lui qui a tiré. J'en ai pas fini avec lui. Connard. Police de Chicago! S'il y a quelqu'un là-dedans, identifiez-vous! Ok. Bon, un peu de furtivité. Il y a quelqu'un là-dedans? Identifiez-vous! L'appel anonyme parlait d'un gang, fouille la pièce. Mais fais gaffe, ils sont dangereux ces enfoirés. Ils peuvent pas rester dans leur quartier, ceux-là, non? C'est un Viceroy. Et le fusil, là, ça doit être l'arme du crime. C'est pour vous mettre à couvert. Encore un Viceroy. Alors? Y'a pas vraiment d'été. Pourquoi ils font ça le jour du plus gros match de la saison? Ils cherchent vraiment à gâcher la fête? Central, on a 2 cadavres au sous-sol du May Stadium. Font partie d'un gang. Monsieur, on envoie le médecin légiste. Sécurisez votre position, on va inspecter chaque étage du stade. Bien sûr. Y'a un truc qui cloche. Pourquoi ils se butent là entre eux et pourquoi ils feraient ça ici d'ailleurs? Ça ressemble à un récit. Ah! Ok. À mon avis, je dois pirater le lanceur de balles. Il y a quelqu'un là-dedans? Identifiez-vous! L'appel anonyme parlait d'un gang, fouille la pièce! Mais fais gaffe, ils sont dangereux ces enfoirés! Ils peuvent pas rester dans leur quartier, ceux-là, non? C'est un Viceroy! Et le fusil là, ça doit être l'arme du crime! Non. J'ai été identifié. Bon. Et si je pars tout droit, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, je ne chronomètre absolument pas. Il y a quelqu'un là-dedans? Identifiez-vous! L'appel anonyme parlait d'un gang, fouille la pièce. Mais fais gaffe, ils sont dangereux ces enfoirés. Ils peuvent pas rester dans leur quartier, ceux-là, non? Ok, d'accord. Ok, espace.
Ah, ok. Ok, alors par contre, juste un truc. Les voix, t'es sympa, mais tu vas me les réduire un peu. À 20. Ok. Là, on peut pirater une caméra. Bon, on va le faire. D'accord, on peut passer d'un outil à l'autre. Ok, remonter jusqu'au flux, le flux de données jusqu'à... Ah, d'accord. D'accord. Là, je me balade de caméra en caméra. D'accord, donc là je recule. Donc c'est là. Ensuite, il faut que j'aille là-bas. Ok, ici, il y a une caméra là-bas. Non, c'est pas une caméra, d'accord. Okay. Ah, ok. Ok. Ok, d'accord. Donc ça a activé le... Il ne bougera pas à moins que je lui donne une bonne raison. En fabrication pour le ramasser. Ok. La roue des sélections. D'accord, ok. Donc là, j'ai des leurres. Que je peux fabriquer. Ok. Ok. Et je peux lancer le leurre là-bas. G pour préparer le lancer. D'accord, ok. Relâcher le G pour lancer. Ok, d'accord. Ah, pour pirater. Ah d'accord, ok. Maintenant je dois le pirater. Allez, mort à l'hameçon. Ok, d'accord. Ok. Ok. Là, là il me détecte. Attendez. Ok. Officier de police, revenu, putain la vache. On a tout sur les mecs quoi. Ah, on peut zoomer. Ah d'accord, ok. Juste que je vois comment... Ah, je peux zoomer.
pas avec contrôle et... Non, non plus. Ça non plus. Ok. Falloir que je trouve une solution pour utiliser ma manette de, ma manette de souris. De nouveau ça, non, non, ça va pas être ça. Ok, à mon avis, je ne suis... Ah, quelque chose que j'ai dû rater. Là-bas, il y a un truc là-bas. Bon, j'espère qu'il y a eu un checkpoint. Attendez, je vais juste attendre qu'il bouge. Allez, bouge, voilà. Ok. Ok. Bon. Ok, donc j'ai récupéré un truc. Mais je sais pas quoi en faire. Ok. Bon, pour le moment, je m'en sors pas trop mal. Désolé, ça doit être un petit peu long. La police va bientôt boucler tout le secteur. Il me faut une grosse diversion, sinon je suis coincé. J'aimerais couper le courant, juste le temps de filer. Dans tout le stade? Je croyais que l'électricité s'est envoyée. L'électricité est reliée au CTOS, mais c'est derrière un gros firewall. Écoute, il faut à tout prix que je sorte du stade. Tu peux me trouver le point d'accès le plus proche? Dans la pièce suivante. Mais tu vas devoir trouver quelqu'un avec un pass de sécurité. Les types de la sécurité doivent avoir le code d'accès. Avec tous ces flics, il doit bien en avoir un dans le coin. Bon, ok. Utiliser la carte. Le code est... D'accord, ok. Donc en fait, on est, ouais, on est dans le stade de machin. Bon, alors attendez, que j'analyse un petit peu la situation. Est-ce qu'il y a des caméras de surveillance? Il y a une caméra de surveillance là-bas. Ah là, d'accord, ok. Ok.
tireur d'élite, ok, normal. Ouais, ça c'est moi, ça c'est normal. Ok, une salle serveur. Une belle salle serveur en plus. C'est TOS, ah d'accord, ok. Coup de sélection. Ok. Ah d'accord, ok. Ok, ouais, faut suivre au niveau de la... Ok, j'ai pour un blackout. Bon, pour le moment c'est assez scripté. C'est le seul point noir que je trouve au jeu. Ok, on a vraiment les descriptions. Plus de bruit les gars s'il vous plaît. Ah. Oh putain, excellent. De recherche.